Alors, c'est très simple. Vous êtes branchés sur la bonne chaîne Gulli. C'est donc parti pour le... Gulli. Vous êtes en forme, les Gullivers? Oui. Eh ben, moi aussi. Ah, au fait, Joanne, ça y est, on est inscrits. À quoi? Au cours de tango. Youpi. Ah oui. Ouais. Bon, bah alors, attends. Finalement, ce sera la valse. La valse. Ah, youpi. Bon, bah, je pense qu'on va éviter le rock acrobatique. Bah oui, c'est beaucoup trop dangereux. Ah oui, quand même. Hey, en revanche, on va pouvoir demander de l'aide à notre invité du jour. Ah bon? Tu crois qu'elle va pouvoir nous apprendre à danser? Bah attends, à ton avis, son titre s'appelle « Et je danse ». Ah bah oui. C'est sûr, elle va pouvoir nous aider. Alors faites du bruit pour notre copine. Anaïs Delva. Il y a le soleil qui se cache encore. Je me demande pourquoi. Si la lumière change de port, je m'en vais là où elle va. Pour la bohème et les petits riens, j'ai brûlé quelques cierges. Des entaillas dissimulées, des mots sur des pages vierges. Je veux changer d'air, de la chaleur en... Dans ce canapé. Oui, c'est bizarre. Ah, ça fait drôle. Oui. On est là pour parler de ton single. Oui. Qui est sorti et qui va cartonner. Oui. Ce titre. Oui, et je danse, deuxième single. Et alors, c'est toi qui l'as écrit? Je l'ai écrit avec, avec un jeune homme qui s'appelle Jules Jaconelli, qui lui fait la musique. Donc, c'est vrai que sur l'album, on a beaucoup de travail ensemble. Il y a beaucoup de chansons qu'on a écrites à deux. Et quel message tu as voulu faire passer? Mais non, mais celle-ci, c'est vraiment sur... Tu sais, des fois, la vie va pas... Il y a des trucs qui vont pas trop bien dans la vie. On est un peu tristoune. Et puis, moi, j'ai ce truc de toujours me dire, non, mais en fait, ça va aller. Et ce truc de... Et je danse tous les matins. C'est un truc de... Voilà. En fait, c'est vrai. Faut continuer. Mais non, mais c'est vrai, ça faut continuer. La vie, elle est belle. Tout va bien. Et même quand ça va pas, en fait, faut faire en sorte que ça aille. Eh ben, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est toi. Ça, et là, je la reconnais bien. Voilà. Là, le rayon de soleil. Voilà. Elle est là. Bon, alors, on t'a préparé une interview que tu adores faire aux autres. Oh. C'est l'interview répond à la question d'après. Oh, c'est ma préférée. Ah, mais ça, c'est ton challenge. Wow. Ok. Donc, vous l'avez compris, on va lui poser des questions. Il faut qu'elle réponde à la question... Celle-là. Après, en fait, on lui pose une question A, hein? On lui pose une question B, et à la B, elle répond à la question A. Oh, mon Dieu! C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Allez, c'est parti. Alors. Combien mesures-tu? Quelle est ta couleur préférée? 1m62. Quel est ton deuxième prénom? Le vert. As-tu des animaux de compagnie? Nathalie. Avec qui aimes-tu aller au cinéma? Non. J'adore. Comment s'appelle ton nouvel album? Avec mes amis. Quel surnom on te donnait quand tu étais petite? Il n'a pas encore de nom. Ah. Je suis en pleine réflexion sur le titre de l'album.
Quel sport pratiques-tu? Le surnom de quand j'étais petite, c'était Nana. Où aimes-tu aller en vacances? Du yoga. Yeah. Moi j'adore ce challenge. Ça, ça fait vraiment des trucs chelous quand même. Hein. As-tu des concerts de prévus où et quand? À Bali. Ça serait génial en même temps. Canon, hein. Joues-tu d'un instrument? Je vais à Tahiti au mois de septembre pour un concert. On est en train de booker un concert en Nouvelle-Calédonie aussi et je vais jouer un petit peu partout. Alors, en France. Alors, est-ce que t'as besoin de quelqu'un pour t'apporter le café? Je sais très bien apporter le café. N'oublie pas qu'il y a le live. Hein. De quel chanteur es-tu fan? Je gratouille un peu. je gratouille un peu de la guitare. C'est un super chanteur. Mais je suis pas une grande instrumentiste. Comment s'appelle ta maman? Céline Dion. Ta mère, c'est Céline Dion. Oui. C'est super. Aussi. La classe. Est-ce que tu penses que Penfold va remporter le prix dans Danger Mouse? Ah bah j'espère. Non, mais j'espère de tout cas. Mais il va falloir qu'il se méfie de Stiletto. Bon, merci beaucoup Anaïs. On va t'applaudir bien fort. Bravo Anaïs. On te souhaite plein de réussite avec ce titre. Bah oui, puis nous on se retrouve vite. Hein. Et bah, oui, à la rentrée. Je sais pas. Dans le G-Live, petite, à faire des bêtises. Des bêtises. Toute la saison. Oui. Ah, j'adore, on compte sur toi. Et on te souhaite donc une bonne tournée. Et Danger Mouse, c'est... Maintenant.